Depuis le lundi 4 septembre 2023, Cyril Hanouna est de retour pour une nouvelle saison inédite de Touche pas à mon poste sur C8. Après 2 mois de vacances, l'animateur a retrouvé sa bande de chroniqueurs récurrents, qui a été légèrement remaniée pour la rentrée. Par exemple, Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau sont partis, remplacés par Alex Good et Jacques Cardoz. Ségolène Royal et Pascal de la Tour du Pin ont également été recrutés par Cyril Hanouna pour étoffer son équipe. Si l'ancienne journaliste de BFM TV était pressentie pour être le joker de Cyril Hanouna cette saison, elle ne devrait pas prendre la tête de TPMP aussi souvent que ses prédécesseurs. En effet, Cyril Hanouna a annoncé vendredi 15 septembre 2023 qu'il sera plus souvent présent sur l'antenne de C8 le vendredi cette année. Un choix avant tout financier pour l'animateur, qui est également le producteur de Touche pas à mon poste. Je suis sur C8 parce que j'avais envie d'être avec vous, a ainsi débuté le présentateur, au moment de prendre l'antenne. Sachez que ça ne change rien du tout financièrement pour moi. Et je le redis, que je sois là ou pas là, si est pareil, a ajouté Cyril Hanouna, avant de pousser un coup de gueule. J'en ai marre. J'entends plein de choses au niveau pécunier me concernant. Sachez que je vienne ou que je ne vienne pas, je prends la même chose en oseille, a insisté l'animateur. Cyril Hanouna sur TPMP, si je mets quelqu'un d'autre à ma place, ça me coûte plus cher si est-il neutre, parce que je ne suis pas payé en tant qu'animateur, a souligné le présentateur, avant de se raviser avec hésitation. Je suis producteur de l'émission. Donc, si je mets quelqu'un d'autre à ma place, ça me coûte plus cher que quand si est-il moi qui anime, TPMP, note de la rédaction. Parce que j'ai un cachet en plus de présentateur. Je dois payer le présentateur. Quand si est-il moi, je me fais ça gratuit. Quand si est-il quelqu'un d'autre, je suis obligé de payer en plus. Donc pourquoi cette année je vais tout le temps venir? Pour ça, a finalement conclu Cyril Hanouna. Par le passé, Julien Courbet, puis Benjamin Castaldi, présentaient régulièrement Touche pas à mon poste le vendredi, en l'absence de Cyril Hanouna. I just need